bonjour. Aujourd'hui, nous sommes sur un jeu rageant. Vous êtes contents? C'est bien, bravo. Ça va me voir les autres souffrir, c'est bien. Aujourd'hui, la maladie est à son apogée, donc j'ai zéro énergie et on va quand même jouer à un jeu rageant. Sing to Die, c'est un jeu dans lequel le but est non pas de survivre au pic, aux champignons qui te tuent, aux nuages qui en fait se transforment en pic. Cette fois, il est question de mourir. On saute? Pourquoi du coup il me dit pas d'aller voir les pics? Ah, je pense que c'est un troll, c'est ça. Allez, on va à la porte. Voilà, du coup on est mort parce qu'on est allé à la porte, du coup on est mort de la mauvaise façon. Donc il faut bien faire un 3-6 no scope sur les pics. Voilà. Bravo Squeezie, tu es un génie. Et là on va sur les pics aussi, c'est ça? Oui. Right click W en sp. Et ça pour sauter. D'accord, ça permet de retomber bien droit et d'arrêter l'inertie. On tryhard, ouais. Falling off the room, restart sur level. Donc si je tombe de la plateforme, ça redémarre le niveau, c'est ça? D'accord, ça me tue pas. C'est noté, level suivant. Des objets peuvent bouger. Ah. Par exemple lui. Voilà, comme ça que YouTube tombe dessus et je meurs. C'est sympa ce jeu, j'aime beaucoup le concept. J'adore mourir, c'est la seule fois de ma vie où j'ai aimé mourir. Parce que d'autres fois je suis mort mais ça m'avait pas plu. Excellent. Là comment tu fais? What now? Bah alors on va reproduire le schéma d'avant. Donc il y en a un qu'on met là. Alors on part dans quelque chose de plus développé, hein. Lui on l'empile sur l'autre. Ouais, et ensuite du coup on va faire comme le level d'avant. Je vais juste pousser celui-là et mourir. Don't give up. Bah là comment je fais? J'ai pas de double saut. Voilà. Pensez avec vos yeux. Donc il y a le reverse, qu'on appelle le reverse. Voilà, il y a un portail invisible. Fantastique, hein. Franchement, hier, j'étais tellement fatigué, j'aurais pu passer 30 minutes là-dessus. Les boutons peuvent faire des choses. D'accord, ça fait apparaître un cube en face. Ok. Du coup, je peux monter et mourir. Sympathique ces petites mécaniques là, hein. Oula, oula, oula. Sur quoi on part? Bon alors. On a tous compris, on a juste à aller là, à mettre ça là. Boum. La solution n'est pas toujours celle qu'on pense. Donc comment on fait là? Comment on fait, bordel de merde? Ça fait apparaître ça, ça fait disparaître ça. Mais la solution n'est pas toujours celle qu'on pense, donc peut-être qu'en allant là, j'apparais là. Dans tous les cas, je peux pas aller là-haut. Bah voilà. Bah voilà. Putain, je me suis pris la tête à 1000%. Pourquoi vous avez fait chauffer mon cerveau pour rien là, hein? Hop, on est bien. Super, hop. C'est débile. C'est lui qu'il faut mettre là-bas. Lui qu'il faut mettre là. Lui que tu pousses. Comme ça, tu peux accéder à lui. Ok, comme ça, tu peux pousser lui et mourir. Waouh! C'était long! Tel un casse-tête chinois! D'ailleurs, pourquoi les casse-têtes sont forcément chinois? Je veux dire, c'est le seul objet au monde où il est forcément chinois. Je suis vraiment très malade. Ensuite, on fait disparaître les deux cubes de là-bas. Mais la solution n'est pas toujours celle à laquelle on pense. Ça c'est la merde, par exemple. Je peux faire tomber celui-là. Ça, je fais tomber lui, et là j'ai accès à la plateforme de gauche qui me permet finalement de sauter sur. Ah, c'est super insolent! Je peux vraiment pas passer ici ou c'est un bug? Non, c'est un bug. Là, je passe, c'est le même écart entre les. Ça m'énerve. Mais mec, c'est abusé! Attends, je suis outré. Puis avec ce fond qui bouge tout seul là, ça me donne vraiment la gerbe. Est-ce que je suis teubé? Voilà! Voilà, la solution n'est pas forcément là où on le pense. Méditez là-dessus, c'est moi qui viens d'inventer, c'est faux. Alors, il y a 3 dalles. Il y a 3 dalles. 4, puisque j'ai la dalle aussi. Voilà, c'est le jingle blague nulle. Ok, je comprends le problème. Donc déjà, on va forcément avoir besoin de 2 cubes. Donc on va mettre lui là-dessus, tout en pouvant pousser celui-là. Mais il me prend le cul. Ah, je peux pas le faire tomber. D'accord, donc c'est faux. En fait, je peux pas le faire tomber. Bah voilà, je me disais bien. Lui, il disparaît. Ce qui fait que du coup, normalement, hop, hop, hop. Et lui, il faut que je laisse sur lui. Et ensuite, je peux amener celui-là sur la dernière dalle. Là, je suis arrivé à un stade où je suis tellement concentré que j'arrive plus à expliquer en même temps. Voilà, est-ce que je pourrais être professeur? La réponse est non, c'est ça. L'épique. Presse C ou clique sur le switch bouton. Ah, j'échange de mec. Oh, y'a un délire là, inside là, vous vous souvenez inside, hein? D'accord, donc faut que je tue les deux maintenant. D'accord. Ah, ça c'est super. Du coup, tu fais quoi? Tu fais ça, ensuite tu passes sur lui et tu te tues. Mais comment tu tues l'autre du coup? Ah, ok, j'aurais dû en fait aller là pour que ça tue, j'ai compris. J'aurais dû faire ça, mettre lui là-dessus. Hop, j'ai appuyé, ça tombe, je me tue. Et merde. Ah non, c'est bon. Hop, avec le deuxième, je fais ça. Ah merde, j'ai pas assez poussé le cube, d'accord. On part sur ce qu'on appelle finalement un attardé dans le milieu. Je l'ai bien poussé au bord, mon gars, j'ai vu un gars pousser. Là, ça tombe. Et je me tue avec. Voilà, fantastique. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? La courte échelle. Oh, c'est horrible. Je suis tombé. Voilà, c'est réglé. On avait oublié l'histoire des portails. Comment je fais pour me tuer? Je pense qu'il faut juste que, au moment où j'appuie, en fait, je redescende. Pourquoi je peux sauter là? Eh hey, c'est incroyable ce bug. Il y a 2 secondes j'ai sauté, je pouvais sauter. Vous avez pas commencé à m'énerver, je suis malade, on a pas que ça à faire, hein. J'ai pris exprès un jeu où le but c'est de mourir et vous me faites quand même rager. Je me sens un petit peu trollé, si je puis me permettre. Mais merde. Laisse-moi y aller s'il te plaît baby. Et voilà. Ah bah là c'est parfait, c'est vraiment tout ce qu'on voulait voir.
Ah voilà, purée. Allows you to jump higher. Genre comme la chanson de Kylie Minogue. On ne la chantera pas pour le bien de cette gorge asséchée par la maladie. YOLO, je passe au deuxième, c'est extrêmement simple. Donc là, on part là-dessus. Ah oui. Yes. Wanna try again? Try again quoi? C'est fini? Non. Ah, ça se finit comme ça. Genre, il te laisse en galère sur un level où tu peux pas te tuer. C'est bien, ça torture les gens, pas de soucis. Et bien voilà, c'est bien pour cette vidéo sur Sing to Die. N'hésitez pas à l'aimer si ça vous a plu. Je viens de donner toute mon énergie dans cette phrase. Pour chaque like, j'aurai le droit de prendre un Doliprane. Voilà, du coup, je vais décéder en une minute. Oh, comme il se la pète avec ses likes là. F2. Oh non, puis j'ai mis des microbes du coup. Lui, demain, il a quoi? Il a la petite grippe aussi. C'est pas drôle. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien et soignez-vous bien si vous aussi vous êtes malade. Hein, à l'arrivée du froid, pourtant il est toujours pas là le froid, donc je sais pas pourquoi je suis malade. Merci d'avoir regardé, ciao tout le monde, peace.